Allez. Règle de sécurité numéro 1, on ne laisse pas un enfant seul dans une voiture. Règle de sécurité numéro 2. T'es sérieux? J'ai l'air de plaisanter. Je sens que ça va m'inspirer pour ma rédaction à la rentrée. Comment en cet été? Apporter un casque ridicule par Anna Callahan. Ton casque ridicule t'évitera de te blesser la tête. Si je me blessais, ça me ferait peut-être oublier à quel point j'ai l'air idiot. Bonjour, un coup de main? Oh non, ça va aller, merci. Vous êtes assez chargé comme ça. Oui, le fait est. Bonjour Patsy. Salut. On dirait qu'ils ont enfin commencé les travaux à côté. Ah. Oui, je viens de voir un peintre en arrivant. La concurrence ne te fait pas trop peur? Patsy, je t'en prie. T'as vu l'aventure? C'est un grill qui va ouvrir. C'est pas ce qu'on peut imaginer de plus raffiné. Gilles? Danny? Est-ce que tu peux me rappeler ce qui nous a amené à penser qu'une bande de copains pompiers serait capable? On a l'habitude de faire à manger pour de grandes tablées. Tous les pompiers et les ambulanciers de cette ville, et ils aiment manger. Alors au travail. Je suis venu vous aider. Bonjour, chef. Je croyais que vous deviez pas venir travailler ici pendant le service. J'ai misé la moitié de ce que j'ai économisé pour ma retraite sur ce resto. Je viens surveiller mon investissement. Et moi, je suis de repos. On se le fait, ce grand ménage? Quoi? C'est quoi cette horreur? La musique. Ça recommence pas. C'est assourdissant. Attends, on va se soulever. D'accord. Mets-en tout autour. Tout autour. Ah. Voilà, comme ça. Ah. Et me lâchez pas, hein. Je garde la fille. Allez. D'abord, il faut goûter le bœuf, et ensuite, on peut déguster le vin. De cette manière, leur goût se complète et... Leur goût se complète. Mais c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Excusez-moi, Bess, je crois que... Excusez-moi une minute. Excusez-moi, c'est vous le peintre qui... Non, je suis pas peintre, non, quoique j'ai fait la peinture ici avec les autres. Je m'appelle Gilles Callahan, ex-pompier, moitié patron, moitié cuistot. J'ai plusieurs casquettes. Ah, Sarah Westbrook, chef Westbrook. Alors dites-moi, chef Westbrook, que puis-je faire pour vous? Eh bien, vous pourriez baisser la musique. Il est absolument hors de question que mes clients subissent cette cacophonie. Vous exagérez un peu. Cette chanson était dans le top 50 en 86. Il doit y avoir des gens qui sont contents de l'entendre. Écoutez, je dirige un restaurant français de grande classe. Et ce genre de vacarme ne correspond pas exactement à son ambiance. Je sais que les bruits d'outils ne sont que temporaires, alors j'ai décidé de ne pas en faire une affaire d'État. Pourtant, vous aviez l'air parti pour. Écoutez, de toute évidence, vous allez vous adresser à une clientèle extrêmement différente de la mienne. Alors j'espère que nous pourrons avoir des relations de bon voisinage, fondées sur le respect et la tolérance. Alors, si je comprends bien, vous aimeriez qu'on ait des relations de bon voisinage. C'est ce que je viens de vous dire, oui, bien sûr. Eh ben alors là, bravo, vous avez vraiment trouvé le ton idéal pour ça. Excusez-moi. Vous me présentez vos excuses? Alors déjà, si j'avais voulu m'excuser, j'aurais dit « je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Mais ce n'est pas du tout le cas en l'occurrence, parce qu'il ne me semble pas que ce soit moi qui ai à m'excuser. Veuillez baisser votre musique. Au plaisir, voisine. Comment ça s'est passé? Ce n'est qu'un bonnet immature. Qui ça? Le propriétaire ou copropriétaire et chef et cuistot, je ne sais quoi d'autre. L'autre fois, je l'ai vu en train de peindre. C'est un genre d'homme à tout faire. C'est aussi un crétin ailleurs et il dit que c'est moi qui ne suis pas respectueuse. C'est la meilleure. Ah, il t'a fait une sacrée impression. Oh. Il est séduisant. Je t'ai posé une question, Sarah. Oh, Patsy, t'es une véritable obsédée. Eh oui, je sais. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, rien. C'est prospectus.
Tu peux me dire comment je suis censée faire partir la peinture de mes cheveux? Mets de la térébenthine dans ton shampoing. Je suis presque sûre qu'il y en a dans le garage. Et rapporte-moi une limonade pendant que tu y es. Ça, c'est une bonne idée. Comme maman l'aurait dit, voilà qui est parlé comme un homme. C'est vrai, c'est ce que maman aurait dit. Tu sais qu'elle veille toujours sur toi, n'est-ce pas? Ouais. Je sais qu'elle veille sur moi. Et elle me manque toujours. À moi aussi. On va réussir, Kate. On va enfin l'ouvrir, notre restaurant. T'aurais adoré ça. Salut, Marguerite. Salut, ma jolie. Ça va? Allez, viens par là. Tu me trouves tolérante et respectueuse, hein? La crème est prête? Oui, et heureusement, parce que je commence à ne plus sentir mon bras. Noisette, s'il te plaît. Chocolat. Tout de suite. C'est superbe, Sarah, c'est vraiment superbe. Je n'ai pas fini première de ma promotion au cordon bleu pour rien. Voilà, une crêpe au chocolat. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais ce que je viens de voir passer? Quelque chose qui était nappé de chocolat et de crème chantilly. On va se prendre un dessert. Ma chérie, on n'est pas habillés comme il faut pour ce restaurant. Papa! Allez, viens, on finit ce qu'on a à faire et je t'offre une glace. Et là, s'il va faire un peu plus froid ce week-end à Vista Grande. Mais un peu de pluie ne nous fera pas de mal. Merci, Storm. C'était les prévisions météo du week-end présentées par Storm Collins. Vous êtes sur la chaîne KXB et maintenant la chronique de Redmond Rhodes, qui a trouvé l'endroit parfait pour dîner ce week-end à Central Valley. Merci, Nora. Et oui, en effet, hier soir, je crois que j'ai fait le repas le plus incroyable de toute ma vie. Et c'est pourquoi cette semaine, la chronique restaurant de Redmond Rhodes nous emmène dans la ville de Merced, dans un restaurant absolument charmant appelé la Petite Italie, où les pâtes n'étaient pas seulement succulentes, mais ce qui est de plus en plus rare de nos jours, Nora, préparé entièrement sur place. Voilà qui met l'eau à la bouche. Une Petite Italie autant saveur, Redmond? Absolument, Nora, mais à petit prix. C'était la chronique restaurant de Redmond Rhodes. Anna, tu peux aller mettre ça à la poubelle. Après, on pourra y aller. D'accord. Oh, oh, pardon. Oh, c'est moi, voyons, je voulais pas te faire peur, excuse-moi. Tiens ton livre. Merci. Oh, Les Misérables. C'est un livre merveilleux. C'est vrai, vous l'avez lu? Oui, on me l'a fait découvrir quand je vivais en France. J'y ai étudié la cuisine pendant plusieurs années. C'est vraiment beau? Ah oui, c'est magnifique. Ma maman était une grande fan de ce pays. Ah oui? Ce livre était à elle. Je le lisais avec elle. On avait prévu un voyage en famille à Paris. Ah, mais apparemment ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a eu un cancer. On attendait qu'elle aille mieux pour partir à Paris ensemble. Elle n'est jamais allée mieux. C'est terrible, je suis navrée. Je suis sincèrement désolée, ma chérie. C'est gentil. Allez, je vais t'aider. Ça va aller. Moi aussi, je m'intéresse beaucoup à la cuisine. C'est vrai? Ah, c'est très bien. On va pouvoir parler cuisine toutes les deux. D'accord. Je dois dire que je connais pas du tout la grande cuisine. Ah. Je sais préparer que des petites choses faciles. C'est un bon début. Bon, si un jour t'as envie de parler cuisine, tu n'as qu'à... Tu sais, je suis chef dans le restaurant d'à côté. Tu passes me voir quand tu voudras. Ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Je t'en prie. J'ai vu quelqu'un commander une crêpe au chocolat avec de la chantilly. Ça avait l'air délicieux. Oui. C'est vous qui les faites? Oui, et j'en suis très fière. Ce sont mes crêpes au chocolat. Et je me ferai un plaisir de t'en préparer.
Tu n'auras qu'à passer, d'accord? Merci. Je t'en prie. Je m'appelle Sarah. Et moi, Anna. Ravie de t'avoir rencontrée. Au revoir, chef. Au revoir, Anna. À bientôt. Dis bonjour à Taylor de ma part. Ça marche. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée à toi. Demain. Voilà. On a fini, ma chérie. Demain, c'est l'ouverture. Il faut qu'on aille fêter ça. On va à côté. Leur crêpe au chocolat me tente beaucoup. C'est vrai? Tu veux aller dans ce restaurant? Je pensais plutôt à une soirée pizza DVD. Papa, allez, je t'en prie. Tu t'imagines qu'on dînera souvent dehors quand tu tiendras ton restaurant? Tu sais que c'est peut-être notre dernière chance de le faire. C'est un peu mélodramatique, mais t'as pas tort. Tu crois pas qu'il me faudrait un smoking pour rentrer dans un endroit aussi select? Si tu fais ce numéro à l'intérieur, je dirai à tout le monde que tu m'as enlevé. Allez. Bonsoir. Bienvenue chez Varenne. C'est la première fois que vous venez? Ah oui, mais non. Le chef Sarah m'a dit qu'elle me préparait des crêpes au chocolat. Ah, vous connaissez le chef Westbrook? Je l'ai rencontré hier soir. C'est vrai? Eh bien, je vais vous laisser regarder le menu pendant que je vais prévenir le chef Westbrook, Sarah, que vous êtes des nôtres. Oh non, 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 c'est pas nécessaire. Chef Westbrook? Qu'est-ce qu'il y a? Une petite fille à la table numéro 4 dit qu'elle vous connaît. J'ai pensé que vous voudriez lui dire bonjour. Tu connais une petite fille? Oh, oh. Bonsoir, Anna. Salut, Sarah. Ça me fait plaisir de te voir. J'imagine que c'est ton père? Oui. Ah. Sarah. Quelle surprise. Le chef Westbrook doit avoir beaucoup de travail, si on commandait. D'accord. Je peux vous aider à choisir? Qu'est-ce que c'est, le sabardin aux pommes de terre? Une saucisse à base d'abats. Ah, c'est pas pour moi. Et qu'est-ce que c'est, le rôti façon Orloff? C'est l'une de mes spécialités et aussi l'un de mes plats préférés. C'est un rôti de veau cuit avec du jambon fumé et du fromage coupé. Du veau? Oui. Ah non, 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 je peux pas manger de veau. C'est le bébé de la vache et ils vivent enfermés. Tu sais, Anna, je pensais exactement la même chose quand j'avais ton âge. Très sincèrement, tu ne sais pas ce que tu rates, c'est vraiment délicieux, mais je respecte tes opinions. Autre chose te tente? Qu'est-ce que c'est? Le carpaccio de bœuf. Alors, le carpaccio de bœuf, c'est du bœuf cru mariné dans du jus de citron. Ma chérie, et si tu prenais le poulet rôti? C'est suffisamment simple. En fait, non, elle va prendre le bœuf bourguignon. En gros, c'est du ragoût de bœuf avec un nom prétentieux. Et je prendrai le confit de canard. Et un confit. Très bien. Excellent choix. Merci. Je vous en prie. Elle est vraiment gentille. Tu trouves? Un bœuf bourguignon et un canard confit, s'il te plaît. Ta nouvelle petite copine est avec... son père, qui se trouve également être le crétin d'à côté. C'est vrai? Tu veux dire le pompier? Oh, il est tellement craquant. Il n'est pas craquant, c'est un barbare. Il a appelé mon bœuf bourguignon un ragoût de bœuf. Non. Oui, je sais, au travail, Patsy, j'ai compris. Tu nous obliges à courir dans la pluie, le brouillard, le froid. Parce qu'on goûte tout ce qu'on cuisine et qu'il y a du beurre dans tout ce qu'on cuisine. Et pas tant que ça! Patsy, on achète 15 kilos de beurre toutes les semaines. Oui, mais on n'utilise pas toujours tout. Ah oui? Ah ouais? Ah oui? Je ne crois pas que tu cours pour éliminer le beurre, mais pour évacuer ta colère contre le pompier craquant. Arrête de l'appeler comme ça, et puis c'est une façon saine d'évacuer ses sentiments négatifs. Mais c'est pas ça du tout! Oh, Seigneur! Je t'assure que c'est pas sain quand on a mon âge. D'accord, y'a qu'à ralentir. Comme je te disais, c'est pas sain de chercher à remplacer l'attirance que t'as pour lui par de l'exercice. C'est pas parce que tu as chaud que tu transpires en courant pendant des heures que t'as pas chaud à chaque fois que tu penses à lui. Patsy, je t'en prie, arrête! Le pire, c'est que j'en reviens pas qu'il soit le père d'Anna. Une petite fille tellement merveilleuse, comment son père peut-il être un tel crétin? C'est peut-être pas un crétin en fin de compte. Bon, allez, accélère un peu. Mais pas trop. Tu sais quoi? Attends. T'es vraiment qu'une mauviette. Attends-moi. Allez, Patsy, cours. La marche, c'est mieux pour les jambes. Et c'est parti. Prêt? Prête. Je suis prêt aussi. Prêt. Allons-y, papa. C'est parti. C'est un grand moment. Wouh! Bravo. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est génial. On n'a plus qu'à attendre. Attendre?
On nous a dit qu'il n'y aurait pas d'attente. Notre premier Tiens, client. Voilà le chef, Madame Stanton. Entrez. C'est ouvert depuis 2 minutes, il ne peut pas y avoir d'attente. Allez. Bienvenue. Merci. J'ai pas très envie d'y retourner. Non, non, moi non plus. Ah, regarde. Tiens, on essaie celui-là. Ok, ouais. On essaie. Ouais. Allez. Bonsoir, bienvenue au Five Alarm Grill. Suivez-moi. Soyez les bienvenus. Comment ça va? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Lieutenant Bates. Bonsoir. Bonsoir. Il reste. Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Oh, c'est parfait, merci. On enlève. Gilet à la dame pour Madame Stanton. Hamburger pour le chef. Merci, papa. C'est là. Oui, ce resto, il est génial, tu vas voir. Bonsoir. Tu veux que je fasse de la pâte pour combien de tartes? Entendu, on fait comme ça. Je croyais qu'on avait parlé de la musique. Vous avez une excellente mémoire. Nous en avons effectivement parlé. Et pourtant, on se croirait à un concert de rock ici. Vous avez l'air un peu à cran. Une petite hypoglycémie? Un sandwich au bœuf? Non. Merci, ça ira. Au vu de votre politesse affectée et de votre petit sourire, je crois ne pas me tromper en disant que vous n'êtes pas décidé à baisser la musique. On est en train de faire une petite fête pour l'ouverture du resto. Ça veut dire que vous refusez? Tout juste. D'accord. C'est ta nouvelle voisine? Ouais. Faut qu'elle se détende un peu. Ouais. Et je crois que c'est des gens comme nous qu'il lui faut pour ça. À quoi tu joues? Tu te souviens quand on se chargeait d'initier les bleus à la caserne? Ouais. Je crois que notre nouvelle voisine a mérité qu'on l'initie aussi. Quoi, tu vas bisuter Miss Gastronomie? Non, je vais pas la bisuter, je vais simplement lui souhaiter la bienvenue d'une façon originale. T'es au courant que c'est nous, les nouveaux, dans le quartier? Joue pas sur les mots. Chef Westbrook? Oui? Il y a une dame à la table 6 qui demande les gnocchi marinara. Elle demande quoi? Elle a dit que ça faisait partie des plats du jour. Mais on n'a pas de... Je vais voir. Oh, oh non, alors ça. Ça, c'est le barbare. Oui, il va voir ce qu'il va voir, il sait pas qui il a affaire. Il faut avouer que c'est marrant quand on y pense. C'est vrai, non? Des plats du jour. D'accord, c'est pas marrant, c'est disons, c'est assez amusant. T'as raison, c'est pas amusant non plus. Hein. Merci de votre visite, revenez quand vous voulez, avec vos enfants. J'en reviens pas. Ces gnocchi étaient incroyables. Et ça, c'était rien. J'avais encore jamais mangé des tempura à la française. C'est absolument unique. Bonjour, Anna. Bonjour, Sarah. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un tour à la librairie. Papa m'a donné de l'argent pour m'acheter des livres. Oh, c'est très gentil de sa part. Oui. Vous étiez à un cours de yoga? Oui, oui, c'est une excellente façon d'évacuer le stress du travail. Le stress? Vous devriez aller chez les pompiers. Travailler chez les pompiers? Ah oui, pourquoi? Parce que papa et ses collègues ne stressent jamais. Même quand ils sont à la caserne, ils sont toujours en train de faire des bêtises, de jouer à des jeux idiots et de se faire toutes sortes de farces. Des farces, c'est vrai? Ouais, ils sont aussi matures que les garçons de ma classe. Oui, j'arrive à imaginer. Tu veux bien que je t'accompagne à la librairie? Bien sûr. Bon. Génial. Allons-y. Alors, juste avant, tu étais en train de me parler des farces. Ton père et ses collègues s'en font souvent? Oui. Quel genre? Eh ben, un jour... Si je m'écoutais, je passerais mon temps à dormir. Oh, moi, c'est pareil. On attend une commande massive de quiche? Non, pas exactement. Alors, vous faites quoi?
Je vais durcir des œufs, pourquoi? Je me suis dit que l'équipe du Five Alarm Grill pourrait y voir un défi relativement intéressant. C'est pas vrai, vous avez l'intention de remplacer leurs œufs par des œufs durs? Voilà, ça c'est marrant. C'est un petit remerciement pour leur contribution inattendue à mon menu. Est-ce que je peux vous aider? Excusez-moi. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, j'ai fait l'un des meilleurs repas de ma vie ici l'autre jour et je voulais remercier personnellement le chef. Les chefs. Enfin, tout le monde. Toutes les personnes impliquées dans l'élaboration des délicieuses choses que j'ai eu la chance de savourer. Gilles, Danny, venez une seconde. Bonjour. Bonjour. C'est vous, chef? L'un d'eux, seulement. Je vous présente Danny. Je m'appelle Gilles. Ravi de faire votre connaissance. Et moi donc? Enchanté, mademoiselle. Quelle solide poignée de main. Des œufs durs. Tous les œufs sont durs. Oh, la petite joueuse. Eh ben, je crois qu'on va faire des œufs durs en entrée en l'honneur de la dure à cuire d'à côté. Ok, ça marche, pas de souci. Tiens, tu me sors le bacon du frigo? Allons bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une préparation végétarienne 100% soja aromatisée au porc. Oh. Gilles, personne ne devrait avoir à manger ça. Très joli coup, voisine. Elle va voir. Cet homme dit qu'il travaille au département de la santé. Apparemment, il a reçu un appel anonyme comme quoi le restaurant aurait besoin d'être inspecté. Joli coup. Oh, je connais quelqu'un qui a reçu une petite visite d'un inspecteur de l'hygiène. C'est exact. C'est bien, hein? Elle est rusée, la Toki, hein? Je peux te dire qu'elle paie rien pour attendre. Mets un autre CD. Ouais. Bach, Mozart, Wagner, Verdi et... Stravinsky. Wow. Elle y va pas un peu fort, là? Vous avez sûrement quelque chose à nous dire sur la musique? Ah oui, oui, effectivement, je trouve qu'elle est magnifique. N'hésitez pas à mettre plus fort. Amusez-vous bien. Patsy, tu peux me dire pourquoi j'ai ouvert un restaurant en pleine crise économique? Ça va si mal que ça? Non, ça va pas plus mal qu'avant, seulement... Ça va finir par ne plus être suffisant. Regarde, au point où on en est, on s'en sort déjà à peine. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Mes cartes postales publicitaires n'ont pas marché, ni les bons de réduction dans les journaux. Nous devons... Il faut faire savoir aux gens qu'on est là, tu comprends? Il faut que... C'est peut-être pas ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, le restaurant est vraiment charmant, mais on est plus cher que les trois quarts des autres restaurants du quartier. Regarde le Five Alarm Grill, ils n'ont pas l'air de souffrir de la crise. Tu parles d'une référence. D'accord, on est un peu plus cher, mais nos ingrédients sont de meilleure qualité. Mais... La présentation des plats est soignée, tandis mais justement, non, ça fait partie du problème, ça aussi. Et pourquoi? Quoi? Parce que la haute cuisine n'attire pas une clientèle familiale. C'est vrai, le mois dernier, tu as refusé de donner du ketchup à des parents pour leur petite fille. Écoute, peut-être que si tu servais des plats un peu plus simples, on pourrait avoir une J'ai chance... appris mon métier dans les plus grandes écoles. Je ne vais pas m'abaisser à simplifier ma cuisine pour des... Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on muscle un peu notre stratégie marketing, c'est tout. L'équipe est avant-dernière de son groupe. Et maintenant, nous accueillons Redmond Rhodes, qui a trouvé l'endroit parfait pour dîner cette semaine. Merci. Oh, bon sang. C'est ça qu'il me faut, mais pourquoi j'y... Un véritable tour de
recette magique culinaire au Fair Oaks Café. Le critique culinaire Redmond Rhodes. Toutes les semaines, il recommande un restaurant. Et la semaine dernière, ils ont fait un reportage sur le resto de fruits de mer en bas de la rue. Et je suis passée devant samedi, il y avait la queue à la porte. Voilà la solution, c'est absolument parfait. Tu sais quoi? Je vais leur envoyer un mail. C'est de la publicité gratuite, Patsy. C'est gratuit. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Anna? Ah, j'arrête pas de tomber sur toi. Tu achètes des oignons? Oui, mon père m'a demandé d'en prendre. Il arrive dans une minute. Ah, d'accord. Eh ben, je suis contente de t'avoir vue. Il faut que je me sauve, hein. Mais on se reverra bientôt. Sarah? Oui? Vous sauriez quelle sorte d'oignons je dois acheter? Mon père m'a demandé d'en prendre une douzaine, mais il y en a tellement de sortes différentes. Oui, en fait, c'est une bonne question parce qu'il y a plein de variétés différentes qu'on utilise pour des choses différentes. Les oignons jaunes, ils sont excellents pour les sautés. Très bien pour les sauces, les soupes, les veloutés, mais ce sont aussi ceux qui piquent les yeux. L'oignon espagnol, il est un petit peu plus doux. C'est celui qu'on utilise pour faire des beignets d'oignon, par exemple. Voilà, c'est ce qu'il me faut. C'est bien ce qui me semblait. Après, il y a les oignons rouges, qui sont les seuls qu'il vaut mieux manger crus. Je crois pas me tromper en disant que ton père doit les mettre dans les hamburgers et les sandwichs. C'est vrai. Ah, je le savais. Bon. Bon, écoute, il faut vraiment que je me sauve, mais tu viendras parler cuisine avec moi, un jour, hein? Oui. Allez, à plus tard. Au revoir. Salut. Salut. Le chef Bonjour. Westbrook t'aidait à choisir des oignons? Oui. Elle a l'air d'avoir fait un excellent choix. Tu sais à quoi ils servent? Bonjour, les Golden. Les oignons de jonglage. Sarah et toi, vous n'avez pas l'air de beaucoup vous apprécier. Je dirais pas qu'on ne s'apprécie pas. Disons que je la trouve. Enfin bref, on va chercher des légumes. Papa, réponds à ma question. Il y a aussi des patates à jongler. Papa, je vais faire un tour à côté pour parler de grande cuisine avec Sarah. D'accord, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'acheter un maximum de crabes sur le marché pour faire des petits pains de crabes comme ceux que j'ai fait l'autre soir. Ah, ils étaient délicieux. Ah oui, ils étaient délicieux, mais je peux te dire que ça, non. Gilles, tu viens de dépenser une petite fortune pour acheter du crabe et t'as mis un panneau dehors pour annoncer qu'il y avait du pain de crabe au menu. T'es en train de me dire qu'il n'y en aura pas? Je regrette, mais je vais pas servir de la bouillie de crabe. Surtout que la bouillie en question est même pas bonne. Il suffira de dire aux clients qu'on est à court de crabe. À 11h du matin. Salut Anna, alors t'es venue parler gastronomie? Je viens vous demander un petit service. Ah oui, je vois. Est-ce que ton père a changé quelque chose dans la recette? Mon père n'utilise pas de recette. Il dit que la cuisine, c'est une question d'instinct et qu'un cuisinier sait quand c'est bon. Non, c'est de toute évidence complètement faux. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des crabes, il y a des œufs, de la chapelure, certainement de la mayonnaise. Il y a un peu de moutarde de Dijon, du jus de citron, malheureusement en flacon. Du poivre vert, quelques oignons blancs et beaucoup trop d'aneth. Waouh! Vous êtes médium culinaire? Oui, exactement. Et mes pouvoirs me disent que ton père en a préparé une quantité plus grande que d'habitude. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. Pour certaines recettes, il est difficile d'augmenter les quantités sans procéder à quelques changements. Et là, toutes les proportions ont l'air d'être mauvaises. Tiens. Tu diras à ton père d'essayer ça. Je vous remercie, Sarah. Oh, y a pas de quoi. Et puis tu peux me tutoyer. Tu sais que t'as toutes les qualités qui font un grand chef. On te l'a jamais dit? Si un jour tu veux une leçon, t'hésites pas à passer dès que tu voudras. Et ça nous donnera l'occasion de bavarder. Hein? Avec plaisir. Et voilà. Merci. Est-ce que je peux te poser une petite question? Pourquoi ton père a-t-il décidé d'ouvrir un restaurant? Parce que quelques mois après la mort de maman, papa a été envoyé pour éteindre un énorme incendie et une poutre est tombée du plafond juste devant lui.
Après ça, il a décidé qu'il serait plus pompier. Il faisait la cuisine pour toute la caserne. Alors ils ont décidé d'ouvrir un restaurant tous ensemble. C'est une excellente idée. C'est un très bon papa. C'est le meilleur. Merci. Mais y a pas de quoi. Pense à dire à ton père d'essayer d'ajouter un zeste de citron frais, le zeste de l'écorce râpée, et peut-être aussi des câpres. Merci beaucoup. Je t'en prie. À plus tard. À plus tard. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Eh bien, dis-moi, ma chérie, c'est extrêmement gentil de l'avoir été. Le père d'Anna et toi avaient l'air d'avoir deux ou trois choses en commun. Comme quoi? Tous les deuils se ressemblent. Tu peux ressortir le panneau. Les petits pains de crabe sont à nouveau au menu. Fourchette? Des câpres et du citron frais. Ça, c'est bien vu. C'est vraiment délicieux. Tu te rends compte? Sarah t'a carrément sauvé la vie. C'est en partie grâce à toi. Voilà, monsieur. Bon, bah, c'était une bonne soirée, ma chérie. Mais pas génial. Je t'avoue que je sais plus quoi faire. J'ai invité des critiques gastronomiques à venir prendre un repas ici. J'ai demandé à mes amis d'écrire des articles élogieux sur le restaurant dans leur blog culinaire. Je vais envoyer un autre mail à Redmond Road. Cette histoire est en train de t'obséder, Sarah. T'as envoyé des mails à ce type, t'as laissé des messages au standard de la chaîne. Si tu lui envoies un message de plus, il ne va pas faire un reportage sur chez Varenne. Il va porter plainte contre une restauratrice de la ville qui le harcèle. Cela dit, ça pourrait marcher aussi si tu as envie d'attaquer la question sous un autre angle. C'est pas drôle. Moi, je suis un petit peu. Mais qu'est-ce que tu en dis? Ça vaut le coup d'essayer. Au revoir et bonne fin de soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alors dites-moi les filles, qu'est-ce que ça fait de vivre dans un restaurant? Je trouve que ça fait un peu pareil que de vivre dans une caserne. C'est vrai, des garçons qui courent et des tonnes de nourriture. C'est pour ça que vous allez commencer les cours de danse lundi. Vous avez besoin de vous retrouver entre filles. Alors Anna peut venir dormir à la maison? Oui. Bien sûr, pas de souci. Oui? Tu veux bien que j'y aille? Pourquoi pas, mais c'est notre jour de repos demain, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas peut-être pouvoir te détendre, profiter d'être un peu tout seul. Bon, vous avez fini les filles? Oui. Je vais faire la vaisselle. On va bien s'amuser, ça va être génial. Bienvenue pour la deuxième partie du journal du soir. Je m'appelle Nora Smith. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Rose qui a trouvé l'endroit parfait pour dîner. Merci, Nora. Oh, allez, papa. Non, je suis désolé, mais non. S'il te plaît. Non, vous n'allez pas pouvoir faire de fleurs en papier. S'il te plaît, s'il te plaît. De toute façon, vous n'aurez pas le temps. Quoi? Vous serez au lit à 19h30. Oh. 19h30? Non. 19h30. Non, c'est beaucoup trop tôt. C'est trop tôt. Mais oui, chérie, 19h45. Non, sérieusement? Tu peux pas nous faire ça ce soir? C'est important de se coucher. Allez, on vous taquine. Je taquine personne. Oh, Dani. Oui, Patsy, qu'est-ce que... Oh, c'est vous. Je peux vous aider? Je peux entrer? Mais je vous en prie, faites donc. Anna m'a dit qu'elle était passée vous demander de jouer au détective culinaire avec mes petits pains de crabe atroces. C'est exact. Et ils sont bien meilleurs maintenant, alors... Je voulais vous remercier. J'ai pensé aussi que vous voudriez goûter. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. C'est pas grand-chose, c'est mon métier, après tout, la cuisine. Oui, mais supporter les lubies d'une petite fille de 9 ans précoce, c'est pas votre boulot, alors... Merci pour ça aussi. Elle me fait penser à moi quand j'avais son âge. Alors, excusez-moi. Merci, Nora. Eh bien, laissez-moi vous dire que je suis encore sous le choc du fantastique dîner que j'ai savouré hier. C'est pourquoi... La chronique restaurant de Redmond Roads de ce vendredi nous emmène dans la charmante petite ville de Vista Grande, dans un restaurant dont je vais vous révéler le nom, le Dharma Diner. Un restaurant indien? Voilà qui n'est pas dans vos habitudes, Redmond. Excusez-moi, je voulais seulement... Vous aimez pas la cuisine indienne?
J'ai mangé là-bas, le poulet à Vindaloo est vraiment délicieux. C'est vrai? Ah non, 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 j'adore la cuisine indienne, ça doit être un bon restaurant, seulement disons que je... Non, c'est bête. Vous espériez que Raymond Rhodes allait parler de votre restaurant dans sa chronique. Écoutez, je voudrais pas paraître... Enfin, qui s'intéresse à la vie de quelqu'un qui porte un costume pareil? Eh bien, apparemment, énormément de gens, parce que ce journaliste est connu pour avoir une influence très positive sur la fréquentation des restaurants dont il parle, alors je dois avouer que j'espérais recevoir le petit coup de pouce dont mon restaurant a besoin. Un petit coup de pouce. Mon restaurant est fermé le lundi. Et je sais que le vôtre aussi. Je voudrais vous inviter à déjeuner. En guise de remerciement. Et ce serait aussi une bonne manière d'enterrer l'âge de guerre. Bien joué, j'ai failli vous croire. Je suis sérieux. D'accord. Ouh, on peut dire que vous savez y faire avec les filles. Personne ne m'avait jamais emmené manger dans une gargote ambulante. Faites-moi confiance. Non. C'est délicieux. Ben voilà, je vous amène une petite nouvelle. C'est pas le meilleur sandwich aux crevettes de votre vie? Le meilleur. Et c'est pas seulement le premier, c'est aussi le meilleur. Et donc les crevettes ont mariné dans une réduction de whisky et de noix de coco, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il me semble aussi détecter du basilic thaï, du piment de poblano, un petit peu d'ail et du curry vert, de toute évidence. Eh ben, dis donc, vous avez cité tous les ingrédients. Anna a raison, vous êtes médium culinaire. Non. Je ne me nourris pas que de veau et de bœuf cru. C'est vraiment magnifique. Je vous remercie. Ça, c'est rien. Elles sont confortables? Mes chaussures, oui. Vous voulez voir un truc magnifique? Je vais vous en montrer. Ah, on va. Alors? Waouh! On a l'impression d'être à des milliers de kilomètres de la ville. C'est dingue, hein? Très joli. Impressionnant. Allez! Attendez! Où est-ce que vous allez? C'est moi qui ai les clés! Oh, c'est merveilleux! Ah, regardez. Regardez ça. Oh! Tenez. On dirait une petite marguerite. Marguerite, c'est le nom de mon chat. Ah oui? Pourquoi? C'est votre fleur favorite? Celle de ma mère. Ma mère aimait énormément les marguerites. Oh, c'est un bel hommage. D'où vient le nom de votre restaurant chez Varenne? Eh bien, François-Pierre de la Varenne était l'un des pères fondateurs de la cuisine française au temps du règne de Louis XIV. Alors je sais pas, quand on pense à la virtuosité que nécessite la cuisine française, cette précision et cette technique, on pense à Varenne. Et voilà, chez Varenne. Oui. Vous n'êtes pas convaincu? Si, si, je me demande juste pourquoi vous choisissez un nom sentimental pour un chat, mais pas pour un restaurant. Eh bien, un chat, c'est quelque chose de vivant, dont on s'occupe et qui... Oui, mais c'est pareil pour un restaurant. Si on veut qu'il prospère, on est obligé de lui donner de l'amour, de l'attention. Il faut lui consacrer du temps. En quoi c'est différent d'un animal? Enfin, je me trompe peut-être. Non, je crois que vous avez raison, au contraire. Quoi? Je voulais simplement que vous sachiez que... Anna m'a parlé un peu de votre femme. Et je voulais vous dire que j'étais vraiment navrée. Mais aussi que, de toute évidence, vous réussissez d'une façon merveilleuse à élever Anna. Oh, merci beaucoup. Soit dit en passant, elle est fan de vous. Eh bien, c'est peut-être parce que nous avons quelque chose en commun. Ah oui? Il se trouve que j'ai perdu mes deux parents quand j'avais 15 ans. Un chauffard ivre. Je suis vraiment navré. Oui, merci. Ah, Marguerite,
Tu peux pas imaginer la journée que j'ai eue. Allez, viens là, ma chérie. Oh, je suis couverte de terre. Et j'ai goûté de la cuisine préparée dans un camion. Oh, j'adore quand tu ronronnes. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas passé une journée aussi agréable. Salut, comment c'était ta journée de repos? C'était très bien. Pas mal. Enfin, non, je sais pas, c'était... Ça a été une journée... sympa. Très bien, avec rétrogradation immédiate, à pas mal, tu veux qu'on en parle? Y a rien à en dire. Sarah! Il faut lancer la cuisson du pain, non? Il vaut mieux. Tu chantonnes? Oh! Sarah Westbrook ne chantonne jamais. Comment ta journée de repos? Pourquoi? C'était une journée comme les autres. Je me suis baladé, j'ai mangé dehors, voilà. Si c'était une journée comme les autres, pourquoi t'as l'air d'avoir besoin de te confesser? Sarah, où est le saumon? Quoi? Je ne suis pas allée faire le marché hier, on n'a plus de saumon. T'as oublié? Oh, ça c'est une première. Mais non, je n'ai pas oublié, Patsy. Je suis sortie toute la journée et je... On a du jambon. Hein? Alors je ferai une bonne petite terrine au jambon et aux légumes braisés. Bonne idée. Ça va être délicieux. Mm-hmm. Gilles, t'es obligé. Je crois que je commence à y prendre goût. Il faut pas trop lui en vouloir. Il a pas les idées tout à fait claires en ce moment. Je te retourne la question. Tu es perdue dans tes pensées depuis ce matin. Dis-moi ce qui ne va pas, Sarah. Je t'assure que tout va très bien. Tu permets que je récupère ma crème chantilly? Merci. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé? C'était un jour de repos, rien de plus. Ah ah. T'es ridicule, Patsy, tu le sais, ça? Je vois. Eh bien, dans ce cas, je fais la grève jusqu'à ce que tu parles. Pardon? Voilà ce que j'ai fait de mon jour de repos. Ah bah, c'est génial. Tu crois? Ouais. Évidemment, tu te rends compte que ça va faire 2 ans. C'est normal de rencontrer quelqu'un qui te plaît. C'est ce que Kate aurait voulu qu'il t'arrive. Je le sais bien. Je le sais ici, mais un peu moins ici. Et il y a aussi que je m'inquiète un peu pour Anna. Mais tu m'as dit toi-même qu'Anna l'adorait. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passera si elle s'attache à elle et que ça marche pas? Ah, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs, mon vieux. Allez, on dirait que t'as peur de te lancer dans un truc nouveau. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 16 ans. Ouais, eh ben je crois qu'il est sérieusement temps que tu te remettes en selle, mon gars. Sur les bœufs qui sont devant la charrue? Ouais, exactement. Patsy, tu peux s'il te plaît revenir éplucher les pommes de terre? Je le ferai dès que tu auras parlé. Patsy, je t'en prie, c'est complètement ridicule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis allée à une sorte de rendez-vous avec un homme, voilà. Et cet homme, c'est... Gilles. Oui. Oh, oh, tu veux dire Gilles, le pompier craquant? Oui, oui, c'est ça. Gilles, oh, le pompier craquant. Ah, c'est merveilleux. Peut-être. En fait, je sais pas trop, c'est... Enfin, je comprends pas. Est-ce que c'était un rendez-vous réussi? Oui, c'était bien, c'était très réussi. Mais c'est pas le problème. Oh, bah alors c'est quoi? Le problème, Patsy, c'est que je suis chef et que ça, c'est mon restaurant et qu'il faut que je m'y consacre. Je peux pas partir tout le temps faire des choses avec quelqu'un parce qu'enfin, tu vois, on sait à quoi ça mène.
Lui qui dit « Viens t'installer chez moi et je veux que tu ailles chercher ma fille à l'école. » Et moi qui dis « Attends, je n'ai pas signé pour chercher ta fille à l'école. Je l'adore, elle est géniale, mais tu vois ce que je veux dire. » Ensuite, il voudra qu'on se marie et qu'on déménage en banlieue. Et ensuite, il dira « Vends le resto, je ne veux plus que tu travailles. » Mais comment ça, tu veux plus que je travaille? Ce restaurant, c'est mon rêve, tu comprends? Et c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Et puis, il y aura aussi sa mère. Sa mère n'aime pas la cuisine française, il faut être fou pour ne pas aimer ça. Tu te rends compte? Waouh! 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 Oh, merci, t'aurais pas dû. Ah, oh, Gilles a le béguin pour la jolie petite restauratrice d'à côté. Vous êtes qu'une bande d'idiots. Allez, Gilles. On est avec toi. Chut. Salut. Oh. Oh. Waouh. Très jolies ces fleurs. Elles sont pour vous. Vous n'auriez pas dû, c'est vraiment... Je tenais aussi à vous dire que j'ai passé une très bonne journée hier. Et que j'espère qu'on remettra ça. Un de ces jours. Oui. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Oui. Moi aussi. Oui, peut-être... Enfin, peut-être un peu trop, justement. Je suis pas sûre de très bien comprendre. Gilles, je crois que je ne suis peut-être pas le genre... Le genre de femme qui a besoin d'être dans une relation de couple. Attendez, vous et moi, on est en couple? Non, je voulais pas dire ça, je... Ce restaurant, c'est mon rêve, et je le porte à bout de bras depuis 10 ans, et... Et je fais tout ce que je peux pour qu'il ait du succès. Mais je sais que je n'y arriverai pas si je suis distraite. Je comprends. Mais on continue à être voisins, puisqu'on est installés l'un à côté de l'autre. Et puisqu'on est voisins, j'espère qu'on pourra malgré tout continuer à vivre en bon voisinage. Évidemment. Bon, bah, un de ces jours. Oui. Voilà. Salut, papa. Salut. Ces fleurs sont magnifiques. J'imagine qu'elles viennent de Gilles. Alors, il t'a officiellement invité à un vrai rendez-vous galant? Sarah? Oui, officiellement. Et je lui ai répondu non. Pourquoi t'as fait ça? De toute évidence, tu en pinces pour ce type. Oui, j'ai l'impression d'avoir tout le temps la tête dans les nuages. Et alors? Bah, Patsy, tu l'as dit toi-même, je n'ai pas la tête à ce que je fais. Je suis absente, j'ai oublié le saumon, je n'avais jamais fait ça, c'est la première fois de ma vie. Et ça, c'est seulement après une espèce de genre de simili-ébauche de rendez-vous innocent. Alors t'imagines, il n'est pas question que je continue à me laisser distraire. Y a rien de mal à avoir la tête dans les nuages de temps en temps. T'es pas obligée de toujours tout maîtriser. Si, je dois tout maîtriser. C'est important, c'est mon restaurant, c'est mon moyen de subsistance, c'est à moi d'en faire une réussite, et c'est moi qui échouerai si je me déconcentre. Et... Non, crois-moi, je suis bien mieux toute seule, c'est... Je t'assure. Oh, Sarah, s'il te plaît. Je vais aller finir de faire le ménage dans la salle. Tu n'as qu'à continuer ici, d'accord? Merci, Patsy. Vraiment merci. Oh. Oh. Taylor a rigolé tellement fort que la limonade lui est sortie par le nez. C'est marrant, non? Oui, c'est très marrant, ma chérie. Et ensuite, on a volé une voiture de police et on a fait une virée jusqu'à Mexico. C'était fantastico. Ça a dû être amusant. Alors, je vous en mets combien? 3, ça ira? Papa, regarde, c'est Sarah. Viens, laissons-la faire ses courses. Elle doit avoir envie d'être tranquille. Sarah! Tiens, bonjour. Callahan, comment allez-vous? Bonjour. 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 Vous étiez sincère quand vous m'avez dit de venir cuisiner? Mais oui, évidemment. Tu peux passer quand tu veux. Merci, Sarah. Je t'en prie, ma chérie. Papa, s'il te plaît, je peux avoir une limonade? Oui, ma chérie. Va te chercher ça. Il fait chaud, j'ai un peu soif. Merci. Au plaisir, Sarah. Au plaisir. Passe quand tu voudras. Je vous remercie. Je vous en prie. Elle aime être avec vous. Mmh. Elle doit tenir ça de son père. On se verra plus tard, Sarah.
Patsy, je crois qu'on va faire une petite quiche Lorraine aujourd'hui. D'accord, bonne idée. Très bien. Salut Sarah. Tiens, Anna. Tu crois qu'on peut cuisiner maintenant? Oui, je pense que oui. Patsy peut s'occuper de tout pendant ce temps-là. Absolument. Bon, bah alors c'est parti. Merci Patsy, c'est génial. C'est une sauce de base dans la cuisine française. C'est une béchamel. Une béchamel. Une béchamel, exactement. Alors maintenant, on va pouvoir ajouter une dernière cuillerée à soupe de farine pendant que tu continues à mélanger. C'est très bien. Ça va devenir un peu grumeleux, mais c'est pas grave. On va arranger ça. Le beurre va fondre dans le mélange. Excellent, c'est parfait. Très bon travail. Maintenant, on va pouvoir ajouter le lait chaud. Un petit peu à la fois. Continue à mélanger. Excellent. C'est très très bien. On s'en servira dans notre recette d'aujourd'hui. On va faire un croque-monsieur. Tu m'as appelé monsieur? C'est le nom de la recette, c'est un croque-monsieur, pas un croque-anna. Cela dit, t'as pas tout à fait tort. Au départ, ça s'appelait juste un croque. Le monsieur viendrait des serveurs qui disaient à longueur de journée, voilà votre croque-monsieur. Et est-ce qu'il y a un croque-jeune fille? Non. Mademoiselle? Non, désolée. Madame? Ah oui, bien. Il y a un croque-madame? Oui, dans ce cas, c'est avec un œuf dessus. Ah, ça fait plaisir. Oui, un point pour les filles. Je préférerais le croque-mademoiselle. Ah oui, ça aurait été plus galant. Ah, ça fait du bien de rien. La couleur est normale? Oui, elle est devenue toute pâle. Un peu comme moi, d'ailleurs. On peut pas dire qu'on profite beaucoup de l'été en cuisine. Et toi, comment se passent les grandes vacances? Oh, très bien. Ouais? J'ai pris un coup de soleil la semaine dernière en faisant du cheval. Non, c'est vrai? Oh, je suis vraiment désolée. T'as fait du cheval? Oui. J'adore le cheval, ça doit être très agréable. Tu pourrais venir un jour de repos? Quoi? Oh, oui, ce serait très amusant, absolument. En revanche, je doute que ton père apprécierait beaucoup, mais... Non, ça le gênerait pas du tout, il est plutôt cool. Ça pourrait nous faire... une journée entre filles. Une journée entre filles. L'idée me plaît bien. Ah, d'accord. Tu as invité Sarah à faire du cheval avec nous. Alors, il vient avec nous faire du cheval? Eh ben oui, ce serait sympa de faire ça tous les trois. Oh, oui, très. Je peux m'en aller? Oh non, 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 restez si vous voulez, c'est... Enfin... Bon, on y va, alors. On y va. Très bien. J'imagine que mon cheval doit être celui-ci. Allez, t'as le même cheval que d'habitude, papa. Oui, il me connaît. Bon. Ton cheval te plaît, Sarah? Oui, il est magnifique. Allez. T'es prête? À gauche. C'est parti. Anna, pas trop vite. D'accord. Je voulais pas vous empêcher de passer une journée entre filles. Je suis vraiment désolée. Ça fait rien. Je pense pas qu'elle vous ait beaucoup laissé le choix. C'est une fille tenace, la petite Anna. Oui, c'est ce qui me plaît chez elle. Elle sera capable de se défendre plus tard. Anna, on fait la course? D'accord. Tire sur les rênes, les mains vers le bas. Voilà, c'est bien, Anna. Merci. Allez, avance. C'est pas le moment de s'arrêter, je te donnerai à manger plus tard. C'est bien. C'est un bon cheval, ça. Sarah? Tiens. Regarde ce que papa m'a acheté. D'accord, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. On a du pain, du gruyère, du jambon, de la moutarde. Oh, je sens que tu vas préparer des croques mademoiselle. Exactement. Papa me laisse lui faire à manger quand il est de repos. C'est tout le temps moi qui cuisine. Il faut bien que quelqu'un prenne le relais de temps en temps. Tu devrais venir, Sarah. Oh, écoute, j'aurais vraiment été ravie de venir. Tu m'as appris à les faire, alors t'es obligée de venir. Tu veux bien, papa? Eh bien, Sarah est toujours la bienvenue, mais je crois qu'elle a quelque chose de prévu. Je serais ravie de venir si tu me permets d'apporter le dessert. Bien sûr. Sois là à 19h30. Va pour 19h30. Bonsoir. Bonsoir. Alors, notre petit chef s'en sort? Elle est en plein boulot. Mais elle prend ça très au sérieux. Entrez. C'est elle qui a mis les bougies. C'est vrai? C'est très joli.
Santé. Permettez-moi de vous présenter les croque-mademoiselle de Anna Callahan. C'est magnifique. Avec plein de fromage. Je sens qu'on va se régaler. En plus, ça sent bon. J'en salive d'avance. Merci, papa. Ça a l'air délicieux, Anna. Et voilà. Merci. Bon appétit. C'est délicieux. Il va falloir que tu m'en refasses tous les soirs. Tu trouves ça vraiment bon ou seulement bon pour un enfant? C'est quoi bon pour un enfant? Est-ce que c'est bon pour un enfant mais pas pour un adulte? Ou alors peut-être que tu dis ça seulement pour pas me vexer? Ben, personnellement, je suis adulte et je trouve ça bon. Mais qu'est-ce que j'y connais? Je suis qu'un vieux papa idiot. Demandons à une experte, Sarah. Mademoiselle Callahan, ce croque est délicieux. C'est pas juste, j'ai choisi le vin. Je mérite un compliment aussi. Elle s'adressait à son élève. Merci, Sarah. Tu as été un excellent professeur. On dirait bien. La leçon la plus importante à apprendre pour un chef, c'est de manger ce qu'il prépare avant que ça refroidisse. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On dirait une sorte de crème. On dirait... C'est de la... Béchamel. Béchamel. Très bon. Merci. Allez, je vais m'occuper de la vaisselle. Certainement pas. Tu cuisines, je fais la vaisselle. C'est la règle. Non, tu me fais pas faire la vaisselle quand tu cuisines. Bon, en tout cas, moi, je vais t'aider. Non, toi, tu vas m'apprendre à faire du pain demain. Ah oui, vraiment? Eh oui. Bon, c'est moi qui fais la vaisselle. Fin de la discussion. D'accord, c'est toi le chef. Merci. Merci à vous, mademoiselle. C'est vraiment une jeune fille adorable. Merci. Je vous en prie. Parfois, j'ai un peu peur qu'elle grandisse trop vite. Elle a l'impression de devoir prendre soin de moi maintenant que sa maman n'est plus là. Merci d'être venue. Sincèrement, elle y tenait beaucoup. Et merci pour le gâteau, c'était vraiment délicieux. C'est une véritable œuvre d'art, on dirait presque une sculpture. Oui, c'est souvent le cas avec la cuisine française. C'est ce que je me suis toujours dit. Ça demande beaucoup de technique, beaucoup de précision. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je m'y suis intéressée. Comment ça? Quand j'étais petite, mes parents et moi allions souvent dans une brasserie. Chez Françoise. Elle se trouvait dans la ville où j'ai grandi. On y allait tous les dimanches pour déjeuner. Et quand mes parents sont décédés, mes grands-parents ont dû vendre leur maison et c'était fini des déjeuners. Alors, il m'arrivait d'y retourner de temps en temps pour me sentir proche d'eux, là-bas. Et ensuite, un jour est venu où je me suis retrouvée embauchée en tant que serveuse là-bas, ce qui m'a fait très plaisir. Et quelques mois plus tard, un cuisinier est tombé malade et on m'a demandé de le remplacer, ce qui était... encore mieux. Alors, pour la première fois, depuis que mes parents étaient morts, j'ai eu l'impression d'être de nouveau chez moi, dans cette cuisine. Vous êtes une grande cuisinière. Merci. Je vous ai fait faire des plats grecs, des plats italiens, des plats japonais. Qui aurait pu penser que vous aviez étudié les cuisines de ces pays-là aussi? Vous avez jamais envisagé de... Je sais pas, vous éloignez de la cuisine française traditionnelle. C'est vrai que c'est une façon de cuisiner précise, exacte et qui demande beaucoup de rigueur. Mais au moins, je sais qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire les choses. Et je trouve ça rassurant parce que le reste de l'univers ne suit pas nécessairement ce genre de règles. Quand Kate est morte, c'était absurde. Je suis pompier et quand on fait ce boulot, on risque sa vie tous les jours au travail. Mais je pensais tout le temps qu'elle était à la maison... Mais qu'elle était en danger. Oh, oh, oh. Pardon. Mais qu'est-ce que... Oh, j'ai... Prends-moi donc. Je suis désolée. T'es sûre que ça va, ma puce? Désolée. Vraiment. T'es sûre que tu veux pas un petit coup de main? Non, ça ira. Elle est vraiment têtue. On se demande de qui elle tient ça. Ça t'a plu, la visite de Sarah, ce soir? Bien sûr. Elle est drôlement jolie. Tu trouves pas qu'elle est jolie? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Avant de mourir, maman a dit... qu'un jour, tu rencontrerais quelqu'un de vraiment gentil. Que tu voudrais même te remarier. Anna... Elle a dit que t'aurais peut-être l'impression de la tromper, malgré le fait qu'elle ne serait plus là, mais... que je t'aiderais à tourner la page. Écoute, je sais que tu aimes beaucoup Sarah. Mais est-ce que tu es vraiment prête à ce que je vois quelqu'un? Oui.
proche, j'ai l'impression. Maman avait raison, tu devrais pas rester seule. Tu sais, Anna, tu lui ressembles. C'est vrai? Oui. Je l'entends plus jamais. Quoi? La voix de maman. Avant, je l'entendais dans ma tête. Je l'entendais me dire qu'elle m'aimait. Me dire de faire mes devoirs. De me brosser les cheveux. Maintenant, c'est fini. Ça arrive à toutes les personnes qui ont perdu un être qu'elles aimaient. Ma chérie, c'est ton esprit qui cherche à te protéger. Il t'offre un peu d'oubli pour que ton cœur puisse enfin guérir. Oh, ma chérie. Ça va aller. Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Patsy, ça y est, la salle est prête? Oui, bien sûr. Pardon, je... Merci pour l'excellent dessert et l'excellente compagnie. Une deuxième chance, ça se présente pas souvent. Bonjour. Bonjour Sarah, je vous en prie, entrez. Je sais que vous avez du travail. Je suis simplement venue vous dire merci pour les fleurs. J'ai voulu retenter le coup. Sarah, je sais, vous m'avez dit non quand j'ai demandé à ce qu'on se revoie, mais j'espérais que vous y repenseriez. Je sens qu'entre vous et moi... Je sens qu'entre nous, il y a quelque chose de vraiment... Il faut que je réponde. Oui, Danny. Salut, mon vieux. Écoute, Anna vient de se faire une petite bosse à la tête. Quoi? Eh, elle était en train de faire du trampoline et son pied s'est pris dans les ressorts. J'arrive tout de suite. Non. Écoute, je l'ai déjà fait examiner et on pense qu'elle a rien, ok? Je vais très bien, te fais pas de soucis pour moi, on se voit à la maison. Tu vois? Elle va bien, d'accord? On fait que suivre la procédure de routine pour un choc à la tête, on est aux urgences, t'as qu'à rester tranquillement là où tu es et attendre que je te rappelle. Anna s'est blessée, il faut que j'y aille. Je peux faire quelque chose? Vous en faites pas, ça va aller. Appelez le chef. Anna, c'est rien fait de grave. J'espère que non. Ça va? Qu'est-ce que tu vas dire à Gilles quand il reviendra? Moi, je crois que tu devrais aller le voir, le remercier et... Quoi? Tu sens pas une drôle d'odeur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette odeur de brûlé? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis qu'un investisseur, moi. Je suis pas censé faire la cuisine. J'ai dit à Gilles que je savais pas la faire. Alors pourquoi êtes-vous en train de cuisiner? Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Mike est de service à la caserne et Danny et Gilles sont tous les deux avec Anna à l'hôpital. Et franchement, je devrais les rejoindre parce qu'ils vont me démolir quand ils vont voir ce que j'ai fait à leur cuisine. Il n'y a plus rien à servir. Tout est recouvert de neige carbonique. Oui, tout, effectivement. Vous avez fait du beau travail avec votre extincteur. Le feu est éteint, c'est normal puisque vous êtes pompier. Mais comment avez-vous fait pour envoyer un hamburger là-haut? Je vous jure que j'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qui s'est passé à côté? Eh bien, le chef des pompiers a failli faire brûler le restaurant, tu savouras l'ironie. Il a des clients et rien à leur servir. Et à voir la façon dont ça se passe ici, Bess pourra assurer le service de ce soir toute seule. Est-ce que tu pourrais venir m'aider à tenir la cuisine de Gilles? Déjà qu'Anna s'est blessée, il va pas en plus perdre de l'argent et retrouver une cuisine dévastée. Bien sûr, je vais t'aider. Putain, merci. Papa, je vais bien. Papa, on est arrivé, maintenant tu peux me poser, s'il te plaît? Papa,
Papa, arrête! Non! Mais je vais bien, arrête! T'as entendu le médecin, retourne travailler. Certainement pas, ce soir je reste avec toi. Papa, t'as laissé le chef seul en cuisine? C'est toi qui as dû te faire un truc à la tête. Que veux-tu qu'il arrive de grave? Écoute, ma chérie, je sais que le restaurant a pris toute la place dans nos vies cet été, mais tu ne dois jamais oublier que pour moi tu comptes plus que tout. Chocolat menthe, mon parfum préféré. Ça fait du bien. T'es sérieux, là? T'as une bosse, faut mettre de la glace dessus. T'as fini? Je te remercie. Je t'aime. Moi aussi. Tu m'en laisseras un peu? D'accord. Attends. Tu veux que je t'en laisse? Voilà, c'est pour toi. Bah, c'est une toute petite bouchée. Je sais. Oh, c'est bon. C'est délicieux. Vous aimez? Oui, mon chef va être ravi. Le ragoût est excellent. Merci. C'est délicieux, vraiment. Un ragoût de bœuf et une galette de crabe. Le ragoût remporte un franc succès. Je voulais vous le dire. C'est gentil. Le chef m'a dit que le ragoût remportait un franc succès. Qu'est-ce qu'il en sait? Cet idiot a failli faire cramer ce restaurant. Pas de signe. Mais je le trouve pas mal du tout. Le genre bourru baraqué, je trouve ça viril. Les pompiers, c'est... Oh, je suis dingue des pompiers. Ils sont... Patty au boulot, c'est ça que tu penses? Y a de ça. Oui. Très bien. Mais ils sont incroyables. Je sais pas si tu as... Patty. J'ai... D'accord. Mais c'est vraiment extraordinaire. Les ambulanciers, les pompiers, les flics un peu moins. Mais les pompiers... Oh, mais je suis en train de parler toute seule. Oui, je crois que c'est effectivement là. Varenne. On va faire quelques photos de présentation. J'ai trouvé ce ragoût époustouflant. Ah, tout était époustouflant. Ici, on allait voir. D'accord. Tentons notre chance. Bonsoir. Bonsoir, chef. Je vous en prie. Entrez. Merci. Comment ça va? Anna est endormie. Je veux pas la réveiller. Je suis simplement venu te dire que tout s'est très bien passé ce soir. C'est vrai? Pas tout à fait, non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli anéantir le restaurant. J'ai pas été loin d'y mettre le feu. Mais ta petite voisine mignonne est venue prendre les choses en main. Sarah? Cette voisine mignonne? Sarah, ça peut être qu'elle. Ça va être à toi de l'inviter cette fois. Remets-toi au travail. Passez voir ça. Oh. Bonsoir.
Je sais que je vous dois encore des remerciements. Hier soir, c'était la deuxième fois que vous avez volé au secours du Five Alarm. Oh, je vous en prie. Je suis contente d'avoir pu vous aider. En fait, j'espère vraiment que nous allons pouvoir finir la conversation qui a été interrompue par ce coup de fil hier. Ouais, j'aimerais bien. Oh ! Sarah ! Viens voir ! Dépêche-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Patsy, qu'est-ce qui se passe ? La chronique du type sur les restaurants, là, elle va commencer. Oh, bon sang, tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il y avait un incendie ou quelque chose de pire. Tu m'as tellement mis dans la tête que ce type pouvait parler de nous dans l'une de ses chroniques que je me suis emballée un peu trop vite. Nous accueillons à présent Redmond Rhodes, qui a trouvé l'endroit parfait pour dîner ce week-end. Merci, Nora. Eh bien, la chronique restaurant de cette semaine nous a amené à Vista Grande. Mais voilà, Nora, cette chronique réserve quelques rebondissements. Voyez-vous, Nora, il y a là-bas un charmant petit restaurant français appelé chez Varenne. La propriétaire et chef c'est pas vrai. Le serviteur à de nombreuses reprises à venir y prendre un repas. Pourtant, tu vois que c'était une bonne idée. Bien que nous ayons eu l'intention d'aller chez Varenne, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un nouveau venu dans le quartier, juste à côté. Il s'agit d'un petit restaurant traditionnel haut en couleur appelé Five Alarm Grill. Il est tenu par toute une équipe d'anciens pompiers de la caserne locale qui servent une cuisine traditionnelle aussi savoureuse que généreuse. Et grâce à eux, nous autres civils n'aurons pas à glisser le long d'une barre de pompiers pour nous régaler. Ni à entrer dans un immeuble en flammes, j'espère. Cela va sans dire. Et c'est pourquoi le restaurant recommandé par Edmond Rhodes aujourd'hui est le Five Alarm Grill. N'oubliez pas les macaronis au fromage et le délicieux ragoût de bœuf. Avec ce genre de sauveteur, on est sûr de ne pas mourir de faim. Sarah, j'en reviens pas, je suis vraiment désolé. C'est à San Diego que va ouvrir le cinéma d'un... Sarah. Siège ajouté à un cuir grand vin, petite tasse et un verre de table, rien ne sera pour les clients du Delmar, la première salle de cinéma de Wilson, c'est pas aux États-Unis. C'est bon, j'arrête. La place contre la modique somme de $20. Vous arrêtez quoi? J'arrête tout. Tout ça, j'arrête. Tu le penses pas, Sarah? Si, je t'assure. Je t'assure. J'ai voulu être chef toute ma vie. Je me suis donnée à fond pour atteindre ce but et j'ai fait du bon travail. J'ai une formation classique, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai fait de ce restaurant quelque chose dont je pouvais être fière et j'étais persuadée qu'un jour, j'allais finir par avoir du succès. Et là-dessus, vous êtes arrivés. Vous ouvrez un restaurant sur un coup de tête. Vous saviez que 9 restaurants sur 10 faisaient faillite, mais vous, non. Vous arrivez, vous avez un succès fulgurant, pendant que moi, tous les jours, je dois lutter pour m'en sortir. C'est presque... la meilleure façon de finir. Moi qui cuisine dans votre restaurant, le soir où un critique s'entiche de vous. Ça enfonce le dernier clou dans le cercueil de mon restaurant. Je vous en prie, dites pas ça. Pourquoi pas ? Vous, votre restaurant va avoir encore plus de succès dès demain, tandis que le mien va devenir un sujet de plaisanterie qui fera se tordre de rire la ville entière. Je crois que je ferais aussi bien d'aller fermer tout de suite. Sarah. Sarah. Gilles, je suis désolée. Sarah est... c'est une femme passionnée, parfois un peu trop passionnée. Il faut savoir que ce restaurant, c'est tout ce qu'elle a. C'est la seule chose qu'elle ait vraiment désirée, jusqu'à ce qu'elle vous rencontre. Ah, Sarah. Quoi que tu t'apprêtes à dire, Patsy, je t'en prie, sois gentille. Ne prononce pas les mots pompiers craquants. Ce serait... est-ce que tu préfères les mots... chef Géniard, qui passe son temps à pleurnicher sur son sort, qui fait sa diva et qui rate la chance de sa vie avec un mec génial? T'as vraiment l'art de présenter les choses. Il faut que tu saches que ce n'est pas la faute de Gilles. Oui, je sais. La vie ne se limite pas à la cuisine, Sarah. Tu ne peux pas constamment repousser les autres. Parce qu'ils ne reviendront pas toujours. Quelqu'un sait où Gilles est allé? Je sais pas. Je vais l'appeler. Je tombe directement sur le répondeur. «
Bonsoir, je dois aller sur le plateau du journal. C'est important. Oui, mon gars, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur une échelle de 1 à 10, tu penses que je me suis plantée à quel point avec lui? Pourquoi ça ne va pas plus haut que 10? Merci. Mais rien. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Est-ce que tu saurais où est mon père? Antenne dans 3, 2... Vous retrouverez la semaine prochaine Coach Cassidy et sa rubrique sportive. Et maintenant, il semblerait que nous ayons un visiteur. Oui! Absolument, Nora. Nous avons bel et bien un visiteur sur notre plateau. Il est à la télévision. Chers téléspectateurs, si vous avez vu la chronique de Redmond Rhodes un peu plus tôt sur cette chaîne, vous avez dû m'entendre parler du Five Alarm Grill. Eh bien, Gilles Callahan, le propriétaire et le chef de ce charmant petit restaurant, est avec nous dans notre studio ce soir et il a, semble-t-il, quelque chose d'assez intéressant à nous dire. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Merci, Redmond. Bonsoir, Nora. Vous allez voir, c'est amusant. Vous êtes venu dans notre petite rue pour goûter la cuisine de Sarah Westbrook. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Seulement, vous l'avez fait au Five Alarm Grill, mon restaurant. Voilà. Ma fille s'est blessée cet après-midi-là. Il a donc fallu que je m'absente et... Sarah est venue à la dernière minute pour qu'on ne soit pas obligé de rester fermé. Alors Gilles, si j'ai bien compris... Le chef Sarah Westbrook a laissé son restaurant pour s'occuper du Five Alarm Grill alors que vous étiez dans l'embarras. C'est exactement ça. Donc c'est elle qui a préparé le délicieux ragoût de bœuf que j'ai goûté. Effectivement, Redmond. Et si vous retournez au restaurant chez Varenne, vous pourrez goûter son bœuf bourguignon qui est une version encore plus savoureuse du ragoût. C'est l'une des nombreuses choses délicieuses que Sarah a au menu. Alors, qu'en dites-vous, Redmond? Chez Varenne la semaine prochaine? Eh bien, je ne vois pas comment je pourrais refuser. Je dois avouer que j'ai visité de nombreux restaurants au cours de ma carrière, mais jamais je n'ai connu de situation aussi surprenante. Eh bien, Sarah est ma voisine. Je me conduis en bon voisin. Quoi? C'est donc sur ce témoignage tout à fait étonnant que nous allons refermer notre chronique. C'était Redmond Rhodes. Et Nora Smithson qui vous souhaite de la part de toute l'équipe de notre journal une excellente soirée. Bonsoir. C'était très bien, parfait. On rend l'antenne? On rend l'antenne. Vous avez été fantastique. Sarah, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Vous êtes toute seule? Oh, tout le monde est rentré. Danny et Elise ont emmené Anna chez eux. Oh. D'accord. Sarah, je suis vraiment désolé. Ne me présentez surtout pas d'excuses. C'est moi qui vous présente les miennes. Vous êtes un homme bien, Gilles Callahan. Wow. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ce que vous avez dit tout à l'heure à la télévision à propos de nos rapports de bon voisinage. Je suis désolée, mais je crois que j'en serai pas capable. Je sens que ça ne suffira pas. Parce que je crois que je suis amoureuse de vous. Et il est clair que vous aussi, vous êtes amoureux de moi. Sinon, vous ne seriez pas allé vous ridiculiser devant tout le monde à la télévision comme vous l'avez fait. Vous n'allez pas me faciliter la tâche. Non. Ici Redmond Rhodes, en direct du Five Alarm Grill, un petit restaurant français qui sert des plats typiquement américains, à moins que ce ne soit l'inverse. Qui sait à quoi s'attendre avec ce petit établissement éclectique qui, comme vous le savez, est le fruit d'un mélange étonnant entre Chez Varenne et le Five Alarm Grill. Ce soir, en effet, c'est grand soir, la soirée d'ouverture de ce tout nouveau restaurant dont les clients sont déjà à l'intérieur, en train de se régaler. Et j'espère d'ailleurs les rejoindre bientôt. C'était la chronique restaurant de Redmond Rhodes. Bon appétit et bonne soirée!
Et voilà, mademoiselle. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Et voilà, c'est impressionnant. Merci. Adjointe, permettez-moi de vous présenter ça. C'est un honneur. Mes félicitations. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu. Je reviens m'occuper de vous. Pour moi, ce sera un tartare de... D'accord. Et pour toi, Ellie ? Le croque, mademoiselle. Excellent choix. Je peux prendre les commandes de la table 12, ils ont déjà choisi. Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est bon, la liante, Chloé. C'est pas mon truc. Oui, c'est vrai. Tu es chaleureux. Merci, c'est très gentil. Je suis ravie que ça vous a plu. Comment va-t-il ? Ça va ? Non. Alors, Anna, ça va ? Tu t'en sors avec tous ces clients ? Oui. Les crocs vous plaît ? Oui. C'est ma recette. Il s'agit en fait d'une recette française que ma fille et moi-même avons un peu changée. Je dirais même améliorée. Merci beaucoup. Anna, ta première femme. Merci. À plus tard.